Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous passez une bonne journée. Moi ça va. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser des mini flacons pour les vitrines miniatures. Hein. Donc ce style de petite bouteille à enfin, imitation bouteille. Hein. Voilà. Donc pour ça il vous faut des perles. Autant que possible qui tiennent debout toutes seules, voilà. Moi là j'en ai pris, ce sont des perles en verre que j'avais acheté il y a très longtemps et que j'avais que bon. Avant je faisais des colliers mais là j'ai arrêté. Donc voilà, j'ai trouvé une utilisation à ces perles. Donc après j'ai d'autres petits trucs et on va essayer de faire ça ensemble. Donc après il vous faut un pistolet à colle, donc et des perles de toutes sortes. Donc là j'ai des perles action de toutes les couleurs, j'ai des perles en forme de petites fleurs. Donc voilà, je vais tout mettre là-dessus, ça sera plus facile pour les attraper. Donc voilà. Alors, donc celle-là, elle est faite. On va prendre une celle-ci. Voilà. Donc, alors, là, qu'est-ce qu'on va mettre? Si on mettait une petite fleur forme chapeau, une autre couleur, parce que là, c'est vert. On mettra. Oh là là, bon, voilà, faut des pinces pour les attraper parce que. Couleur verte. Ouais, verte, ce serait pas mal. Donc là, celle-là, elle va être toute simple. Donc je mets un point de colle sur le fond de la fleur et je la colle sur le haut de la perle. Voilà, ensuite, on essaie de faire partir les petits en plus. Donc là, je vais mettre une petite perle au milieu. Donc je vais prendre une petite perle dorée, on va voir ce que ça donne. Avant de la coller, on va essayer. Ouais, pourquoi pas, c'est rigolo. Allez, on va faire ça. Hop. Donc là, je vais mettre le point de colle directement dans la fleur et la petite perle au milieu. Voilà, vous avez un mini flacon. Ensuite, on va en prendre un autre. Donc on va peut-être prendre le carré et on va essayer pour voir ce que ça va donner si je mets. Ça fait trop gros. On va essayer ça. Je vais mettre une petite coupelle là. Donc, je mets, hop là. Une petite coupelle, hop. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Ensuite, un autre petit point de colle. Et je prends une perle rose. Que je mets le trou côté coupelle. Ensuite, je mets une autre petite coupelle sur le dessus, sans que ce soit sec pour attirer
Et je mettrai une petite perle au sommet, donc là. Hop là. Je vais attraper une petite perle dorée. Hop, tiens, une deux. Ce sera plus original. Bon voilà, je sais pas ce que vous en dites, mais c'est plutôt rigolo. Des petits flacons. Voilà. Ensuite, on va en essayer une autre. On va faire avec celle-là. Donc là, je sais pas. Est-ce qu'on met aussi. Attendez, si je sais ça. Non, pourquoi pas, ça fera un bouchon original. Hop, un petit point de colle. La perle. Imitation métal. Et au-dessus, pourquoi pas. Non, ça va faire un trou. Donc je vais mettre juste une petite perle. Argenté sur le dessus. Voilà, on va mettre ça. Voilà, une autre petite bouteille à miniature, enfin imitation. Hein. Et moi je trouve que ça ressemble un peu, hein, mais bon. Petite fiole de parfum, que vous voulez. Voilà, après bon, on peut continuer à me faire comme ça, pas mal, mais bon. Moi, j'en ai fait 4 avec vous. À vous maintenant de créer vos propres petites bouteilles miniatures pour faire des mini vitrines, voilà, ou pour vos enfants jouer à la poupée. Enfin, voilà, après vous faites ce que vous voulez. Voilà les petites. Là, je vais les mettre comme ça, peut-être on les verra mieux, je sais pas. Voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.